Ouais, je suis venu en sélection avec ça. Ouais. Ok. Pour moi, ouais, c'est. Tout est arrivé très vite. Et maintenant, faut réussir à digérer tout ça. Non, je m'y attendais pas du tout. Bon, les espoirs, c'est. Ça reste l'antichambre des A, donc du coup, non, on s'y attend pas, mais quel plaisir d'être là. J'ai été appelé l'année dernière pour le tournoi à Toulon. Malheureusement, suite à une blessure, j'ai pas pu y aller. Donc voilà, c'était que partie remise et aujourd'hui, je suis là. Non, ça se passe très bien. Tout le monde est sympa, tout le monde m'a bien accueilli. Je pense qu'on a tous à cœur de se reprendre par rapport à des faits contre l'Islande. Donc c'est des matchs qu'il faut gagner, c'est des matchs de groupe. Donc voilà, moi j'ai beaucoup d'envie et je pense que c'est important dans le foot et surtout dans ces circonstances-là. Donc je pense que c'est ça que je peux apporter. Est souhaité. C'est vrai qu'on a, on a perdu des points en Islande. On peut considérer ces points-là, mais il faut essayer de les récupérer rapidement derrière, tout en sachant que c'est un groupe qui va être très homogène. Il suffit de voir les premiers résultats. Ça va être un groupe vraiment, à mon avis, très très équilibré, du début à la fin. Sont importantes, tous les matchs sont importants. D'abord, c'est les joueurs qui vont être sur le terrain. Donc il faut qu'ils s'attendent contre l'Écosse à un match très difficile. Ça va être chez eux, ils vont nous bouger. Et si on n'est pas prêt comme on l'a été comme contre le Brésil, eh ben, ça sera difficile. Mais là, on a fait un match qui nous met la barre assez haut. Donc j'attends beaucoup de ce match et des joueurs. Oui, c'est surtout samedi qu'il faudra être très appliqué et donner beaucoup d'intensité dans le jeu. Bon, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, ils pensaient qu'on n'avait pas encore assez travaillé, ils voulaient encore en faire. J'espère qu'ils vont en garder beaucoup pour samedi.